Hey, this is Tommy Victor from Prong, and you're listening to Liquid. Eh bien, salut les métalleux et les métalleuses, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui pour une nouvelle chronique d'album, ça fait quand même quelques temps que je vous en ai plus fait et je tenais à dédicacer cette vidéo à mamie, donc dédicace à toi mamie et repose en paix là où tu es. Et donc j'ai publié le report de Duel Fest, je vous invite à aller le voir, 2h30 de report. Ça nous a demandé beaucoup de temps de travail, donc j'espère que vous allez jeter un petit coup d'œil et que vous allez dire vos impressions en commentaire. Donc c'est le report des 3 jours ainsi que l'interview, etc. Et donc là, on se trouve pour une nouvelle chronique d'album qu'on a eu l'occasion d'écouter au Hellfest. Donc c'est Prong avec leur nouvel album Zero Days. Donc je vous explique pourquoi on l'a écouté au Hellfest. En fait, parce qu'il y avait la conférence de presse de Prong qui a eu lieu le 18 juin, donc le dimanche 18 juin au Hellfest 2017. Et juste avant, ou quelques temps avant, ils avaient fait écouter en avant-première, oui, c'est sûr, c'est clair, l'album de Prong Zero Days en complet, comme ça. Donc on a eu l'occasion de voir l'artwork, le CD physique, machin et tout. Et aussi, il y a eu la conférence de Prong, donc juste avant, vous avez eu un petit jingle vidéo. Donc encore merci hein, aux membres du groupe pour cet excellent jingle. Merci à Tommy, Victor, tous des membres super sympas. Et la conférence de presse est dans le documentaire, enfin un extrait, vous allez retrouver toute la conférence de presse un petit peu après. Je vais essayer de les publier au fur et à mesure, les conférences. Donc voilà, donc ils nous reviennent, les petits Prong, avec un nouvel album, Zero Days. Un excellent album, encore Prong. Moi je classe ça comme un ovni du métal, ils font un peu de tout. Moi j'irais plus comme du groove metal, de l'excellent groove metal, franchement, vraiment bien. Et ils ont une bonne palette de 14 titres quand même. Donc c'est produit par Tommy Victor, guitariste, chanteur, et Chris Collier. Voilà, Chris Collier. Donc dans les titres, il y a en premier Over It May End. En deuxième, Zero Days, qui est le titre éponyme de l'album. En troisième, Of The Grind. En quatrième, Divine and Conquer, qui est pour moi ma préférée. En cinquième, Forced Into Tolerance. En sixième, Interbling. En septième, Blood Out Of Stone. En huitième, Operation Of The Marble Law. En neuvième, The Whisperers. En dixième, Self. En dixième, je disais Self-Reduced Indignation. En onzième, Rulers of the Collective. En douzième, Compulse Future Projection. En treizième, Wasting of the Dawn. Et en quatorzième, Reason to be Revful. Donc, qui est une bonus track. Donc, voilà, il nous met des petits bonus, c'est vraiment bien. Et donc, hein, comme à l'habitude de Prong, des bons riffs de guitare bien lourds. Une voix parfois très spéciale hein, de Tommy Victor. Une excellente voix, franchement, je vous le conseille vraiment et vivement. Donc on va voir un peu le packaging de cet album. Et encore merci à Tonton Roger pour cet album. Et là, vous entendez sûrement Barnabas the Dog qui est Jenna. Donc là, vous avez une roquette avec le collier d'épines de Jésus. Voilà, une roquette en ronce. Voilà, ça doit faire quand même mal de se prendre la bombe plus les ronces. Là, vous avez un oursin ou un poisson ballon avec un œil. Hein. Prong ont toujours la manie de foutre des œils partout. Ils foutent des œils partout. Voilà. Là, vous avez la pochette qui est assez spéciale. Un crâne avec un œil, hein, avec un poisson ballon. Prong Zero Days. Là, vous avez la tracklist avec cet œil et le fameux trident de Prong. Et franchement, leur show Hellfest était vraiment excellent. Là, vous avez livré Tommy Victor. Donc, dans les membres, il y a Tommy Victor à la guitare et au chant, Art Cruz à la batterie et Mike Longsworth à la basse. Voici le livret. Vous avez des lyrics. C'est bête qu'il n'y a pas de photo du groupe, franchement. Et en plus, quelques petites anecdotes. Donc, Tommy Victor hein, est le créateur de Prong, fatalement. Et il a été aussi guitariste de Ministry. Voilà.
Donc, j'espère que cet album vous aura plu. N'hésitez pas, si vous voulez des bons riffs et une excellente voix, n'hésitez pas. Prong, qui est sorti le 28 juillet 2017. Donc, c'était le Slasher. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas à aller checker le reportage du Hellfest. Ça nous ferait extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo et mettre en commentaire quelques petits trucs comme vous voulez. Et donc, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et je vous dis ciao!